Bonjour, bonjour. Alors, il y a 2 mois, jour pour jour, que j'ai pas mis de vidéo. Et donc, parce que j'ai regardé. Et donc, je voulais vous expliquer. Déjà, premièrement, ben, j'ai été malade et je suis toujours malade et je serai toujours malade. Deuxièmement, si on fait abstraction de Chouquette, qui est restée à la maison pour m'aider parce que j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide. Passer de 2 personnes à 1 personne, c'est pas facile. Alors, déjà, ça met le moral un peu en raplapla. Alors, ça, plus les douleurs, plus. Ça fait maintenant 6 ans que je mets une vidéo quasiment tous les jours. Et ben franchement, je commençais à être fatiguée. Donc j'avais besoin un peu de repos, un peu de mettre tout ça de côté et de passer à autre chose en attendant. Et puis en plus après, ben, quand vous êtes fatigué, parce que bon, la fibromyalgie fait qu'on ne dort pas les nuits, on a des douleurs, etc. Donc tout ça cumulé, ça fait qu'on n'a pas toujours envie de se faire pourrir sur internet, et j'ai un peu mal pris les commentaires. Maintenant j'en fous, je vous dirai pourquoi après. Donc ce qui fait que je me suis carrément déconnectée, c'est le cas de dire, des réseaux sociaux. Et là maintenant je reviens parce que j'avais pas mis mon nez dans YouTube depuis un petit moment, et je m'aperçois que même en n'étant pas là, ben, je continue à me faire insulter, je continue à me faire pourrir, je continue à avoir des commentaires idiots. Plus souvent, ce sont les petits jeunes, là, vous savez, les petits ados, les petits gamins, les petits ados qui ont envie de dire ah, la vieille, la vieille, la vieille. Oui, mais la vieille, elle a envie de vivre, et la vieille, elle a peut-être aussi des choses à dire, elle a peut-être des choses à faire, et puis ça l'amuse peut-être d'être sur les réseaux. Bon, pendant 2 mois, ça m'a moins amusée, mais donc là, je vais revenir avec donc des recettes moins souvent, des vidéos certainement pas tous les jours, un peu d'humour, un peu toutes sortes, des lieux que l'on peut explorer, voir, visiter quand on est malade, handicapé. Des diaporamas, enfin tout ce qui me passera par la tête, tout ce que j'aurais vraiment envie de mettre. Et ben, si vous voulez mettre des commentaires désagréables, allez-y, je vous répondrai même pas et je supprimerai. Avant, je l'ai laissé sur ma chaîne pour que les gens voient un peu comment ça se passait. Maintenant, je vais les enlever. Moi, ça m'évitera de les revoir dans 10 jours, dans 10 jours, dans 15 jours. Et ça m'évitera de me rendre malade pour des âneries. Donc, je vais revenir petit à petit. Alors, les détracteurs, les haters, je n'ai pas coloré mes cheveux. D'accord? Donc, éclatez-vous. Et donc voilà, ben, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que ben, je me suis aperçue que j'avais manqué à des gens quand même. Donc, on recommence petit à petit. Vous avez vu hier, j'ai déjà mis quelque chose. Et là, bon, ben, on va essayer de refaire, de reprendre un peu un cours de vie parce que bon, de toute façon, la vie est comme elle est pas évidente, pas facile, mais je crois que c'est tout le monde pareil. Ah, aussi, je vais insister sur les recettes pas chères. Parce que déjà, quand vous vous retrouvez tout seul, que vous n'avez plus qu'un seul salaire, une seule rentrée d'argent, il faut faire attention. Et même quand on a 2 salaires de rentrée d'argent, il faut faire attention aussi. Donc, je vais essayer de mettre un maximum de recettes pas chères. Allez, combien je sais pas, mais des recettes vraiment pas chères. Je vous expliquerai comment. Ah, je vous montrerai, je vous ferai aussi des retours de course. Je vous ferai aussi
bah, comment faire des économies, des bons plans, etc. Je vais essayer de tout repenser ma chaîne. Donc, j'espère que vous continuerez à me suivre, j'espère que vous continuerez à me soutenir. Les gens gentils, bien sûr. Puis je vais vous souhaiter une bonne journée et je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo.